Honnêtement, c'est toujours impressionnant, personnellement. En fait, c'est un ressenti très bizarre parce que quand quelqu'un te dit qu'il peut ou qu'elle peut faire ça et ça, on dirait que tu n'as pas envie de le croire ou de la croire. Mais quand c'est sur table comme ça, dans une exposition, c'est cool. C'est pas forcément un étranger qui doit faire ou faire un savon, préparer de l'huile qu'on peut utiliser pour manger et de l'huile aussi pour les cheveux. Tiens, donc c'est pour moi personnellement, c'est toujours waouh. Ça a été fait par un Burundais. Ça reste un waouh.